Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement. On va faire une map où tout simplement c'est un quiz sur le bouseux, savoir si on le connaît bien ou pas. Du coup, c'est parti. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, à lâcher un maximum de commentaires. Let's go, lancer le jeu. Et d'ailleurs, je suis en live sur Twitch. Vous avez le chat juste à gauche. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Alors, tac. Bienvenue dans la villa de le bouseux. Ouais. Remonter l'histoire de le bouseux en répondant aux 30 questions. 30 questions! N'hésitez pas à me proposer d'autres quiz ou d'autres maps sur ma chaîne YouTube. Connaissez-vous vraiment El Bozito sur... Alors c'est parti. Attention, toutes les informations sur ce quiz sont actuelles au moment de la création de la map. Ok. Comment s'appelle le bouseux? Bah le Martin... putain Martin, ça c'est son frère. Léo, je sais même pas qui c'est. Et bah c'est Romain. Boum. Il habite à Rennes. Ça je savais déjà, hein. Ok. Il est né quand le bouseux? C'est en juillet, c'est sûr. C'est pas en mars, non, c'est le 26 juillet, 100%. 94, ouais, 100%. Il est né en Ille-et-Vilaine. Ouais, ok, ça je savais déjà. Vous avez vu, hein, je connais bien, hein, j'ai jamais fait la map, hein, la vie de ma mère, je l'ai jamais fait. Quelle classe le bouseux a-t-il redoublé? Terminal. Ah, non. La seconde. Il a redoublé la seconde parce que si, c'est la seconde, 100%. Oh là là. Il a également failli redoubler la première, mais il a changé de lycée. Il est parti dans un internat. Ok. Quel bac a-t-il passé? Bac littéraire, non, il est trop con pour ça. Enfin, je veux dire, il a sûrement passé un bac économique. Ah non, merde. Il a fait un bac S, c'est vrai, merde, je suis con. Il a ensuite fait une année de compta, 2 ans de BTS, MUC, 1 année de licence pro. Ok. Quel sport a fait le bouseux à 7 ans? À 7 ans. Bon, je dirais du jeu. En vrai, du jeu. Vas-y, du karting peut-être, je sais pas. Ah, 7 ans, ça me paraissait jeune aussi, vas-y. Du foot. Vas-y, il a fait quoi? Il a fait du judo. Qu'est-ce qu'il... Du judo, lui? Il a fait un an et il était en CE2. CE1, ok, bon. Sur quel jeu le bouseux a-t-il commencé le stream? Ah, ça, je sais, ça, sur Agario, ouais. C'était sur Twitch à l'époque. Il a commencé le stream sur Twitch, ouais, voilà. Quand a-t-il commencé le stream? Ah, oh, c'est en 2015. Il avait 21 ans, ouais. Bah, c'était sûr que c'était en 2015. Pourquoi le bouseux arrêtait soudainement Clash Royale? Oh, ça que je sais, ça. Il en avait marre. Ok, non. Il s'est fait ban de Supercell. Ok, oui. Fortnite est apparu. Bah, en vrai, ouais, c'est surtout ça et après ça, quoi. Supercell l'interdit de faire des vidéos et l'oblige à supprimer ses anciennes vidéos sur leur jeu car il insulte trop. Plus de 600 vidéos. C'est surtout qui. Des fois, il twerkait et tout. Enfin, il faisait des trucs un peu. Quand Supercell la banne. Ah, quand Supercell a-t-il banne? 2016, 2017. Enfin, j'ai envie de dire 26 juillet parce que je crois que c'était le jour de son anniversaire, je crois. Oh là là, mais je crois que son anniversaire c'est le 24. Enfin, c'était chic, c'était vers son anniversaire, un truc comme ça. Il part alors sur Let's Die on Earth et plein d'autres jeux. Pourquoi s'appelle-t-il le bouseux? Il le définit bien. Facile à retenir, rigolo. L'idée d'un abonné. Ah, c'est même pas ça, hein. Il s'appelle le bouseux parce que... Je sais pas, genre... il avait pas une connexion, genre un truc de merde et tout, genre... C'est sûr que c'est pas ça, c'est ça. En tout cas, dans tous les cas, c'est ça. Quoi? Alors là, ça c'est fake, ça. Ça c'est pas ça, hein. Facile à retenir, rigolo. Mais c'est pas ça. Mais ça, c'est sûr, c'est pas ça. Ça, c'est impossible. Pourquoi vous spammez, Pourquoi vous spammez de la merde dans le chat? Non, non, mais c'est pas ça. Non, 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 non. Il avait dit, genre, en mode qu'il avait, je sais pas, il avait un truc de merde et tout, et genre... C'était pas facile à retenir, rigolo, hein. Genre, c'était pas ça le but, hein. Il veut marquer les gens pour mieux se faire connaître. Moi, je suis quasi sûr que c'est pas ça, par contre. Vraiment. Elle accompagne et tout, l'habiter, je sais pas, il y avait un truc comme ça, genre, vraiment. Mais c'est pas ça. Comment s'appelle sa chaîne secondaire? Le vrai bouseux, bon, ça... Et il l'a créé le 16 juin 2017. Ok... Combien a-t-il d'abonnés avec ses chaînes cumulées? Il a 2,5 millions, je pense, sur le bouseux, et le 2 millions. 2,5 et 2. Ça fait combien? Ça fait 4,5, ça. Oh. Ouais, je dirais 4 millions 6, mais je suis pas sûr. Ouais. Il a 843 millions de vues. Oh, oh my god. Attends, ça fait beaucoup. Hein. Comment s'appelait son poisson rouge en 2018? Bouzy, Boris. Ah, c'était Boris. Boris.
Où ses parents habitent-ils à l'île de la Réunion? Il a mis quoi? Marseille, Australie, non. Ils vont bientôt revenir en métropole en juillet. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'ils vont habiter à Rennes. Quelle est l'expression que dit le plus souvent le bouseux? C'est parti. Narchetan, ça c'est Nyokstag. Let's go, non. C'est parti. Hein. C'est d'ailleurs la description de sa chaîne principale. Ok. Ok, ok. Ça, je savais pas pour le coup. Quand le bouseux et Doc Jésir rejoignent-ils Eclipsia? C'est pas en 2017. Je dirais 2016. Hein. Oh, en fait, j'hésite entre ces deux dates. Vas-y. Ah non. Peut-être celle-ci. Hein. Et elle rejoint donc Valouz dans la Web TV. Ouais, je m'en souviens, c'était pas mal. C'est comme ça que j'ai connu Valouz, moi, un peu. Hein. De quelle couleur s'est-il teint les cheveux? Jaune, gris. Non. Rose, vert. Ouais, possible. Gris, rose. Gris, rose, gris, rose. Il avait perdu 3 paris, gris, et n'a pas fait top 1 avec Dojezi, rose. Ok, ok. Comment s'appelle son frère? J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est Martin. Martin Matin. Martin Matin. Il a 12 ans, il est au collège. Il a 12 ans. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment 10 ans d'écart. What the fuck, c'est énorme en vrai. T'as 10 ans d'écart avec ton frère, t'imagines? Ça veut dire que... What the fuck, wow, c'est abusé. Quand fait-il sa première apparition sur Fortnite? Oh, vas-y, qu'est-ce que j'en sais, ça? C'est en octobre. C'est en octobre, ça, j'en suis sûr. Après, 8 octobre ou 27 octobre, genre... C'est en octobre dans tous les cas, c'est sûr. Ouais. Il fait ses premiers pas sur le jeu en live. Ouais, bah c'était début octobre. Je sais pas si c'était début ou fin octobre. Quand a-t-il fait son premier top 1 sur Fortnite Battle Royale? Je pense qu'il a bien mis 15 jours. Hein. Honnêtement, il a bien mis 15 jours pour le faire au moins. Ah, pourquoi il a mis. Il a mis 23 jours. Ok, il a fait 6 kills dans cette game. Ok, ok, ça va. Après, à l'époque, c'est dur de faire top 1 aussi. Hein. Quand est-ce que le Bouzeux a-t-il passé le million d'abonnés? En janvier 2018, 24 avril 2018 ou septembre? Je dirais septembre. Bah non. Ça, c'est un peu compliqué. Hein. Honnêtement, ça... Ok, en avril. Moins de 3 ans après la création de sa chaîne principale. 3 ans, c'est tellement peu, mec. Quand rencontre-t-il TK78? En vrai, ça c'est des dates, vas-y. Mars peut-être? Ah, j'en sais vraiment rien. Ok, décembre. TK était dans le chat pendant un live Fortnite. Ok. Enfin, je crois que c'était Kenny même dans le chat. Quand est-ce que son premier stream avec TK? Ah ouais. Bon, là, ça doit être pas longtemps après, j'ai dit. Mars, bah ça doit être... Vas-y, juillet peut-être, juillet, ouais, juillet. À mars alors. Attends, quoi? Mais attends, quoi, décembre? Mais ils ont mis 20 000 ans à jouer ensemble? Ok. Ils ont fait 2 semaines de live ensemble. En vrai, c'était insane, ça. C'était vraiment... Je pense que c'était une époque, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment kiffé regarder. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est TK, JP, Le Bouzeux, en vrai. Ça change un petit peu. Quel est le rôle de TK dans la vie de Le Bouzeux? Ami bienfaiteur, père papa ours, grand frère protecteur. Oh, moi j'irais ami bienfaiteur. Quoi? Je dirais pas que son grand frère. Si c'est ça, je suis pas d'accord. Ouais, bon, je suis pas d'accord. Hein. Son grand frère protecteur? Attends, mais c'est. Attends, j'ai peut-être mal lu la question. Quel est le rôle de TK dans la vie de Le Bouzeux? Ouais, je sais pas. J'aurais plus dit ami bienfaiteur que protecteur. C'est d'ailleurs avec lui qu'il a fait le plus de vidéos. Ok. Quand le Bouzeux a-t-il rejoint la team Crouton? Octobre peut-être? Ok, octobre. C'était pendant un live, si on top 1, ils ont rejoint la team Crouton. Ils n'ont pas fait top 1, mais ils ont quand même rejoint la team Crouton. Ok. Quand lance-t-il la première édition de la Bouzy Tournament? Alors là, je m'en souviens très très bien. C'était en mars, hein, ouais. Ça, je m'en souviens parce que c'est grâce à ça que j'ai fait des vues. Il a maintenant eu 3 éditions, plus un mode reverse et un mode duo. Tiens, le mode reverse, ça me dit quelque chose. Quel est le plat préféré de Le Bouzeux? Galette saucisse, hein. Pâte, non. Burger avec 3 feuilles de salade, non. Quoi? Attends. Burger avec 3 feuilles de salade, 2 tranches de tomates et 4 cornichons. Filet de bœuf saignant avec de la purée. Ah, mais ça, c'est quand il va manger chez sa grand-mère, ça. Faites par la mamie. Putain, mais en fait, limite, j'habite avec lui. Comment ça se passe? What the fuck?
Combien de fois le bouseux a-t-il fini premier au Croton Game Show? Deux fois. Il a fini premier au moins une fois, c'est sûr. Ok, ouais. En combien de temps a-t-il fini les 10 top 1 sur Fortnite avec Inox Tag? Ouh, ils ont bien 8h, bah 9h alors. 7h, j'y crois pas. Ouais, impossible. Quel objet de bouseux n'a-t-il pas au local? Un kart, non, un babyfoot, un billard. Un billard? Ah ouais, j'avoue, il devrait peut-être avoir un billard un jour. Il est au local avec Doc Jay-Z et les inachevés, bientôt Valouz et Pidi. Alors, et merci, c'est la fin de la map. En vrai, c'était pas mal, hein. Y a pas une note, oh dommage. Ah si, j'ai 18 sur 30. En vrai, 18 sur 30, c'est... En vrai, c'est ça va, hein, ça va, hein, ça fait quoi? Ça fait 60% quoi, ouais, 60-70%. Après, il y avait des questions, en vrai, les dates pile, c'est compliqué, hein. Après, les dates, c'est trop dur à savoir. Pile date de telle heure, enfin, c'est trop dur à savoir, on va pas se mentir. C'est bof. Bah ouais, mais après, il y avait des questions, genre, vas-y, hein. Votre score est affiché en haut à droite, ok. Code créateur Cocteau, les gars, on n'oublie pas, hein. D'ailleurs, en vrai, ce serait cool qu'on ait 1000 soutiens dans la boutique, ce serait bien, donc n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau, là. Hop là, nickel. Bing. Nice. Non, en vrai, elle était cool, la map. Bref, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était Cocteau. Ciao.